Et du coup, là maintenant, on peut reprendre la deuxième VOD. Bonjour, YouTube, pour la suite de cette VOD, bien sûr. Voilà, c'est tellement simple maintenant, vous avez vu, regardez, j'ai juste à dire au revoir, bonjour, c'est tellement simple à faire. Et ça fait toujours merci très bizarre. Pour ces euros de plaisir. Tu as pas les mimigales, donc ça va. Oh, j'avoue que les mimigales dans The Last of Us, c'était quelque chose, hein, par contre. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas vu, en fait, The Last of Us, c'était un événement qui était fait, du coup, en juillet, pardon. Et en fait, il y avait plein de difficultés comme ça, avec la difficulté qui augmentait toutes les 3 heures. Et le but, c'était de survivre et de remplir des objectifs. C'était un peu... Le principe sur le papier était le même qu'une cité, c'est-à-dire farmer des objectifs et des points, du coup, tout au long d'une semaine. Évidemment, ça avait rien à voir dans le gameplay lui-même, hein, parce que c'était pas du farm ou des trucs comme ça. Hein. Mais voilà, par contre, ça loot pas de pommes. Enfin, je veux bien qu'on se foute de ma gueule, mais... Enfin... Là, le drop des pommes, mec, il est à zéro, quoi, là, en fait, là. Même pas, il est négatif, c'est là, il est... Ah, là il est à zéro quoi. Je sais pas ce qui se passe mais... Ah, mais de toute façon j'en ai un peu là en fait. Vous avez dû me le dire en plus j'ai même pas vu. Bon il va me falloir tellement de gapel en fait c'est ça le truc. Hop. Et donc voilà bon il m'en faut beaucoup plus hein, cependant. Hein. Même si j'en ai déjà pas mal effectivement il m'en faut quand même un peu plus hein, que ça. Et du coup je sais plus ce que je disais. Et voilà et du coup ça c'était The Last of Us. Il y avait des araignées quand tu tapais les arbres et tu tapais les feuilles, il y avait des araignées qui droppaient des arbres et c'était une galère de fou quoi tu vois. T'as 16 flèches dans le coffre du bas. Ok, je vais aller voir. Il y a une vidéo de The Last of Us ou des rodifs. Alors il y a les rodifs sur Twitch mais la vidéo est pas encore faite parce que ça prend beaucoup de temps Maki mon amour. Du coup ça sortira mais pas tout de suite. Est-ce que j'ai des projets de farm à court terme sur genre 50 jours? Ouais je pense ouais qu'on en fera. Ah oh, j'avais un œil ici, j'avais même pas fait gaffe. Hein. Attends j'ai plein de trucs en fait pour faire les potes ici. On va les mettre là, attendez. Tous les trucs qui concernent les potions, on va les foutre là-dedans, tu sais quoi, comme ça au moins. Du coup, ouais, j'ai des projets de farm. Après, pour l'instant, tout de suite, je t'avoue que j'y ai pas exactement réfléchi parce que je suis un peu nul hein, en tout ce qui est farm. Donc, on va pas se mentir que pour l'instant, c'est pas trop mon délire encore. Mais ne vous inquiétez pas, je commencerai à y réfléchir un de ces quatre. Quand j'aurai fini tout mon stuff. En fait, quand j'aurai fini tout ma partie stuff, etc., on s'occupera de ça. Effectivement, j'avais bien des flèches en bas, du coup, merci. Sick touch, non, c'est bon. Oh, j'ai de la gunpowder ici aussi. Ouais, la redstone, on va la laisser en bas. On fera des coffres de minerai. De toute façon, comme dit pour l'instant, c'est un coffre, bon, bordel, hein, pour l'instant. Donc, on s'en fout un petit peu. Tain, par contre, mec, les pommes, ça me fait chier que ça loot pas là. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, je sais que déjà de base, ça loot pas beaucoup, mais alors là, mec, c'est. C'est un truc de fou, quoi. Ça ne loot absolument pas du tout. Ah, mais cet arbre, il ne part pas non plus d'ailleurs. Bon, j'irai m'en occuper plus tard de cet arbre, c'est pas grave. Ah ouais, ça ne... Y a pas une pomme. Ah, ça y est. J'en ai une. OMG. Alors, je savais que le drop des pommes était quand même assez faible, mais à ce point-là, en vanilla, c'est incroyable de voir à quel point ça ne drop pas, les pommes. Hein. C'est fou, parce que moi, je suis habitué, tu sais, aux UHC où ça drop assez souvent, parce que le drop des pommes, en général, est augmenté, tu vois. Mais alors là... Qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir ma hache sharpness 5, là, où je vais one-shot tous les mobs, là. Oh là 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 là. J'attends que ça hein, depuis des lives entiers, j'attends que ça les gars. Je n'attends que ça depuis des streams entiers, vous vous rendez compte ou pas? Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Du coup pour la VOD, pour ceux qui regardent la VOD, on continue aujourd'hui. On va finir de transformer les zombies là. Et du coup ça va nous permettre d'avoir des prix extrêmement réduits, vous allez voir ça va être fou. Bon on va commencer, on va faire une première salve déjà parce que là sinon on va pas s'en sortir. Allez, on va faire une première salve tout de suite là, je vais tout mettre là-dedans, hop, on verra après le reste. Alors, c'est quel ordre déjà le chat? Vous pouvez me rappeler l'ordre, s'il vous plaît, j'ai oublié. C'est quoi? C'est d'abord le... Bonjour. C'est d'abord la potion et la gapple ensuite ou c'est l'inverse? Non, je crois que c'est d'abord la potion et la gapple ensuite, on est d'accord. Vous pouvez juste me rappeler. Popo puis la pomme après, ok. Ça marche. J'adore me poser devant tes vidéos le soir quand je peux et j'adore ce que tu fais, continue comme ça. C'est gentil le Big Beast, c'est gentil. Achète les loot. Pas, c'est 4 pommes pour une émeraude sans réduc. Ah ouais? Attends. Mais tu les as dans quoi? Ouais mais attends, attention au pire on verra. Ah ouais bah attends au pire ce sera plus simple, au pire on verra. Ok, je pense que j'aurais pas besoin de plus de potes pour faire une salve. Alors là ça va être le moment de vérité. Donc je balance la potion et après on verra. Alors. Donc. Je balance la pote et je fais clic droit. Ah bah pourquoi il s'est barré lui? En fait. Bah. Bah après c'est un Fletcher, au pire on s'en fout. Au pire c'est un Fletcher, c'est pas très grave. Alors du coup. Ah. Alors ça marche mais par contre ça met du dégât par contre. Oh le fils de...
Oh là là, le bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Reste en bas. Hein. Reste en bas. Alors oui, par contre... Oh les bâtards. Bon, heureusement, il va se transformer. On va avoir le... On va avoir le... Ah ouais, ça c'est con ça par contre. Hein. Ça c'est con ça. Hein. Tu veux pas descendre en bas là, en vrai? Tombe en bas là. Voilà, là on est bien là. Normalement ils peuvent plus passer là, on est d'accord là. Ils peuvent plus passer là. On est d'accord. Hein. Comment t'es passé? Mais comment t'es passé en fait? Par où t'es passé en fait? Explique-moi par où t'es passé mec. Mais par où il passe en fait? Ah mais par là non? Ouais par là. Je crois que là c'est bon. Tu peux plus passer là. Allez chè. C'est bon. Tout va bien. Ok donc du coup, là on est bon. Vous monsieur. Eh ben on va faire pareil hein. Oh. Allez venez, venez là, venez là, venez là vous deux, venez là. Ok, voilà, venez là. C'est pas grave, je les renfermerai plus tard. Hein. Bon en même temps c'est une galère sérieux à faire. Vraiment hein. C'est une galère hein, ce truc. Bon et vous pareil du coup je vais bah, je vais vous transfo hein, du coup. Hein. Il me faudrait une gapple de plus, attendez. Faut que je remonte. J'ai pas une pomme qui traîne là? Elle est où ma source d'eau? Aïe. Elle est là non? Elle est là je crois. Elle est ici me semble. Ah mais je peux pas remonter par là. C'est la merde hein les gars. C'est la merde. Attendez. Non. Pourquoi y'a un zombie là? Bon quel enfer. Bon de toute façon attendez. Je vais attendre qu'il se transforme et puis on verra. De toute façon au pire c'est pas très grave. Je ferai la salve après. C'est pas grave. De toute façon dans tous les cas. Est-ce que le... Déjà ça serait bien si le protection déjà il venait déjà. Pour commencer. Le protection ça serait pas mal. Par contre, le mending, je crois que c'est un de ceux qui est là-bas, quoi. Le mending. Ouais, c'est un des deux ici. Mais je pense, en fait, ça me fait peur parce que, à mon avis, ça va les transformer en bébé zombie, en bébé villageois. Et du coup, je pense que je sais ce que ça veut dire. À mon avis, ça veut dire que du coup, il va falloir refaire les trades, je pense. Je pense que ça va être ça, à mon avis. Non? Si tu veux, je te rappelle, car tu m'avais dit de le faire, les farms de Lanxofour, c'est un génie, sa farm à Red fait 3k émeraude par heure et tu peux la faire avec un stuff faire super rapidement. Ouais, ok. Bah en vrai, ça je ferai peut-être lundi, en vrai, si j'ai rien à faire. Quand, en fait, c'est simple, les gars. Quand j'ai rien à faire, je vous demanderai quoi faire, je pense, et on fera ce que vous me dites, comme ça au moins, ça nous fera toujours des trucs, tu vois. Tu vois. Quand tes PNJ se sont transformés en zombies, en gros, j'ai amené un bébé zombie que j'ai fait tomber. Mais gros, il a 10 000 IQ, lui. Il a 10 000 IQ, ce zombie. C'est une dinguerie. Il a 10 000 IQ, lui. Alors, on va faire un truc. Voilà. On va faire un truc. Il a 10 000 IQ, ce zombie. En fait, j'ai amené un zombie et en fait, je les ai tous enfermés, tous les PNJ qui sont là. Et en amenant ce zombie, en fait, et en perdant l'aggro, le zombie va aller tabasser les villageois. Et en fait, il va transformer les villageois en zombies en les tuant, quoi, comme ça. Et ensuite, bah, tu balances des potions. Et là, normalement, du coup, les prix vont être bien diminués, bien comme il faut. Hein. Après, on va aller voir. Hein. Je dis pas, mais on verra bien, tu vois. Donc voilà. Et oui, je sais qu'on peut faire une popo pour deux villageois. Vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai vu dans le chat que ça me disait ça. Je l'ai fait. Vous inquiétez pas, à chaque fois, je balançais la popo au milieu. Et voilà. Oh, pour 7, c'est pas mal. Hein. Mais on va descendre à 1 quand même. Hein. Pour 7, c'est déjà pas mal, mais on va descendre à 1. Pour du Fortune 3. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que. Ces petits bébés là-bas vont se transfo ou pas? Par contre, on a un problème, non? Du coup, en fait. Faudrait que je les sépare, non, les deux, en fait, là, non? En fait, on est bien d'accord que là... Ah là 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 là. Heureusement que j'ai les totems. Heureusement que j'ai les totems. Ouh. En fait, on risque de perdre un villageois, hein, si jamais là-bas. On risque de perdre un PNJ parce que le bébé... Ah non mais peut-être que les bébés zombies vont pas taper les villageois peut-être? Je sais pas en fait. On va aller voir. Et ouais du coup ça va la faire transformer. Bon on va attendre qu'ils regrandissent mais bon je pense que... Je pense que c'est la merde hein, mais bon. Hein. Et bah ouais du coup forcément ça l'a du coup retransfo. Par contre bonne nouvelle du coup ça l'a... Alors attendez, je sais ce que je vais faire. Viens là petit bébé, viens là. Viens là BG.
Oh non, est-ce que ça la retransfo du coup en grand zombie ou en psy? Ok. Alors là, la question, vous voyez, regardez. Eux, ils ont été retransformés en... Eux, ils ont été retransformés en villageois parce que du coup... Oh, c'est le bordel. Mais du coup, je pense que si eux, je les retransfo et je les redétransforme, il y a moyen... Que ça les remette au prix normaux, non? Vous pensez pas? En vrai, il y a un monde où ça les remet au prix normaux, je pense, hein. En vrai, hein. Attendez, on va recasser comme on avait fait tout à l'heure, là. Oh non, oh le malaise. Bon, c'est pas grave, normalement ça change que dalle. Ouais, c'est bon. Bon, ça fait juste... Ah ouais, voilà, bah voilà, nickel. Parfait, hop, je pouvais pas faire mieux, je crois. Je pouvais pas faire mieux que ce que je viens de faire. Nickel, c'est exactement ce que je voulais faire. Enfin, c'est exactement ce que je rêvais de faire. Là, il y a quoi? Il y a un grand zombie et un deuxième petit zombie. Ça l'a pas tué, vous avez vu, il a tapé avec son épée, ça l'a pas tué, hein, en vrai, hein. Moi, j'aimerais bien qu'il regrandisse pour voir. Bon, déjà, le Sharpness 5, c'est bien. Il est retransfo. Le protection, il est déjà à une émeraude. Oh là 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 là, la dinguerie, mec. Le protection, il est déjà à une émeraude. Donc, ça y est, je peux mettre full P4. Déjà, pour commencer, je peux mettre déjà full P4. Quoi qu'il arrive. Et ça, rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Hein. Pour être honnête, le full P4, il va régaler. Hein. C'est vrai que, bah, du coup, attends, je vais prendre 3 livres protection 4 déjà. En fait, le truc, c'est que là, lui, il est bien. Lui il est bien, ouais ok. En fait j'ai peur de voir quand eux ils vont regrandir en fait. C'est ça le problème, c'est que eux quand ils vont regrandir c'est ça qui me fait peur mais bon. On va voir, je sais pas trop ce qui va se passer pour être honnête. Je sais pas trop ce qui va se passer. Bon du coup ce qu'on va faire c'est que lui on va le fermer du coup. Parce que forcément il y a les autres zombies qui sont là. Sharpness on va le retransfo. Fortune on va le retransfo. Et lui on va attendre qu'il regrandisse pour être sûr. Mais du coup normalement ça va être bon. En fait, moi, je suis très curieux de savoir est-ce que ça vaut le coup que du coup je les laisse regrandir ou pas. Parce que s'il regrandit et que du coup il a les mêmes traits qu'avant, enfin genre il est encore un maçon, c'est pas mal, tu vois. À mon avis, mais non, mais en fait ça va être aléatoire, quoi. Ça va être juste random, en fait. Wesh. Oh, j'avais laissé ouvert. Hein. Oh, les bouffons de fou. Eh, revenez les potes, là. Eh, revenez les potes, là. Je suis là, les gars. Je suis là, en fait. Les gars, je suis là, en fait. Allô. Reviens, reviens, bro, reviens. Le bourbier, hein, les gars. Le bourbier. Hein. Ça, c'est du bourbier, mais comme vous avez jamais vu. Hein. Ça, c'est du bourbier, mon pote. Alors là, vous avez jamais vu ça. Hein. Alors, attendez. Du coup, ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire tout de suite, parce que moi, j'ai très peur de crever. Hein. Alors, je vais pas vous mentir. Moi, je rigole pas trop avec ça. Comme j'ai pas envie de clamser. Hop. Déjà, on va refaire une gapple de plus. Hop. Et comme je rigole pas trop avec ça, je pense qu'on va retester l'expérience sociale de ces deux PNJ là. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Bordel de cul. Ok. Vas-y, venez là. Venez là, bande de bâtards là. Venez là, bande de bâtards. Si jamais je me mets là et que genre je fais par exemple. Mettez-vous à côté là, vous pouvez ou pas? Genre vous mettre là, c'est parfait là. Voilà. Si jamais je fais ça. Bon là, du coup, normalement, en vrai, ils vont se... Normalement, là, je les ai cliqués vraiment en même temps. Ils auront pas le temps de se tuer, je pense. À mon avis. Je pense qu'ils auront pas le temps de se tuer. Je pense qu'ils auront pas le time. Au pire, attention, au pire, je peux toujours les séparer, au pire. Si c'est ça. Si c'est juste ça. Il faudrait qu'il y en a un qui vienne là-bas. Il y en a un qui vienne là-bas. Et l'autre, il reste là. Voilà. Et là, ils sont Keblo. Là, ils sont séparés. Voilà, là, c'est parfait. Eh, c'est un bordel, mais je me comprends, hein. Ah quoi? Le protection... Quoi? Quoi? Hein? Qu'est-ce que vous me racontez là? Attendez, vous me faites peur là. Non, qu'est-ce que vous me dites là? Quoi? Hein? C'est normal ça? Mais c'était un protection 4 la dernière fois, pourquoi ça fait ça? C'est le bébé le P4. C'était le petit villageois qui a grandi. Oh, c'est lui du coup? C'est un des deux là, donc là en gros il y a Mending et Oh là là, il y a un zombie qui s'est barré?
Oh, c'est pas grave. Reviens là, bâtard, viens. Viens. Allô, tombe. Oh, le chien, c'est pas possible, frère, d'être un chien comme ça, là. Ouais. Mais non, mais c'est ça, du coup, hein. C'est sûr, c'est ça. Yo. Frérot, viens là. Viens là. Oh. Oh, sa mère. Alors là, les gars. Là, on est dans une sauce. Là, on est dans une sauce, les gars. Alors là, on est dans une sauce, mais alors, j'ai jamais vu une telle sauce, là. Là, c'est une sauce comme t'as jamais vu. Hein. Viens là, s'il te plaît, viens là. Non, il est en train de tuer mes PNJ. Bon, au pire, c'est pas très grave. De toute façon, lui, on s'en bat les couilles. À l'aide! Viens là. Reviens là. Reviens ici, là. J'ai plus de bloc. Ok. Non, il repart! Comment je sens que je vais crever, je sais pas pourquoi je le sens bien là, je sens que je vais clamser là, tu vois. Franchement, je le sens bien comme il faut là. Ok, bon. Bon. Déjà, j'aime bien ce que j'ai entendu déjà. Pour commencer, j'aime bien ce que j'ai entendu. Moi, je pense que je vais juste attendre qu'il se retransforme, les gars. Hein. Je peux vous mentir là. Plus trop envie de faire joujou avec lui, hein. On va juste attendre, voilà, on va attendre là. Hein. On va juste attendre les gars, hein, on va pas se casser les couilles là. Normalement il va se retransformer la soon là, normalement là, non? On va attendre les gars, hey, je vais juste attendre qu'il se transforme en villageois, j'en peux plus. Mais pourquoi du coup il est repassé protection, what the fuck? Enfin oui du coup, non il est pas passé mais ça doit être l'autre du coup. On va regarder hein les gars. Je suis toujours malade comme un chien donc je suis super heureux que tu sois en live, comment vas-tu? Je viens d'acheter 500 bits pour le badge. Merci beaucoup Nice, c'est gentil. OMG! Oh là là, oh la dinguerie! C'est bon, ça a marché! Oh j'en peux plus, ça y est. Il est là. Merci monsieur Toasty. Et du coup lui? Oh non mais lui c'est pas le bon. Du coup c'est pas le bon. Du coup c'est un des petits PNJ qui est là-bas. Ça veut dire. Attendez mais c'est incroyable du coup. Attendez mais du coup ça veut dire que c'est insane. Parce qu'attendez, on est d'accord que eux ils étaient bébés avant. Ils avaient été transformés en bébé PNJ puis retransformés du coup en grand PNJ. Donc ça veut dire que du coup... Là le bébé si je le retransforme en zombie et qu'il se retransforme en grand c'est bon en fait. Bon déjà, déjà on perd pas de temps déjà je vous le dis. 1, 2, 3 déjà pour commencer. Déjà 2, 1 pour commencer. Déjà on va se servir directement en fait. Parce que en vrai si jamais il meurt il faut que 1 hein, t'as compris quoi. Déjà on se sert, on arrête toute chose. On va se servir des mendings déjà pour commencer. Mais du coup ils étaient bébés, bah on est bien alors du coup. Oui bah oui. En vrai, on est... Ok, en vrai, c'est bon. On s'en sort bien parce que c'était la merde, hein, quand même. On va pas se mentir, mais on s'en sort bien. Hein. Là, franchement, j'ai pas de cuir qui traîne, là. Ah, oh, faut que j'aille tuer des vaches. Hein. Oh, le bâtard. Ok, c'est bon. Bon. Du coup, là, normalement... Là, en vrai, j'ai un peu de temps pour aller tuer des vaches. Ok, déjà le mending, ça c'est une bonne nouvelle hein, les gars. Maintenant il manque plus que le protection 4 à retrouver. Et on est bon. Après le sharpness 5, ça il est déjà bon. Il faudra juste que je le retransforme et tout, mais ça on verra après. Déjà après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses dans l'ordre. Hein. C'est-à-dire que là j'ai déjà un mending qui est pour une émeraude. Donc déjà je vais me faire plaisir, je vais en prendre plein. Déjà pour commencer, il me faudrait juste des vaches en fait. Y'a pas des vaches ou des trucs là? Il faut vraiment que je fasse un enclos de vaches, hein, je pense. Hein. Honnêtement, faut vraiment que je fasse un enclos de vaches, tu vois. J'en ai 9? Ah 9 sous mes yeux? Il y en avait 9? T'es sûr c'était pas des... T'es sûr c'était pas de... Non je crois que c'était pas du cuir les gars hein, que j'avais. Hein. Je crois que c'était pas du cuir hein, que vous avez vu. Hein. Je vais aller vérifier mais je suis quasi certain que c'est ça que vous avez vu. Et pas du cuir. On va regarder. Ah non non bah non c'est du copper. À moins que... Peut-être en bas merci du coup? Merci Solambubule, merci beaucoup. Peut-être en bas du coup? Peut-être dans le coffre du bas? Y'a pas de livre là, ouais non j'ai juste un livre comme ça, on est d'accord que... Non c'est tout ce que j'ai ouais. Mais au pire j'ai une autre idée au pire, un truc tout con. Au pire, hein. Parce que franchement j'ai pas envie de me casser la tête là. Eh donc là on est bon, on est d'accord, alors attendez. Parce que lui du coup, lui c'est un protection 1 donc lui je vais pouvoir le tuer du coup. Parce que lui c'est un protection 1 donc je m'en fous.
Lui, 13 émeraudes, il faut que je le retransforme encore, lui. Faut que je le retransforme. Y a pas le choix, là. Y'a pas le choix, il faut que je le retransforme. Il faut que j'aille en bas. Il faut que j'aille chercher des bouquins. Mais ouais, mais mec, y a des bébés de merde, là. Ça me fait chier, là. J'en peux plus, là. J'arrive pas à m'organiser. C'est un truc de fou, mec. C'est un truc de fou, j'arrive pas à m'orga. Faut que j'enlève tout ça, là. Attendez, faut que je répare ma base, parce que là, tout à l'heure, j'ai failli clamser. Donc, je vais juste réparer ma base. Merci pour ces euros de plaisir. À quelle heure le Medinazia le dimanche? Bah dès l'ouverture mec hein. Dès l'ouverture hein, bah, vous savez pendant cette convention je vais y être tout le temps quoi. Alors par contre attention si vous venez le dimanche les gars, je pars en début d'après-midi moi. Merci Solambubule aussi pour le sub d'ailleurs, j'avais pas vu. Merci Monsieur Toasty, Superman Geek et Anaïs. Par contre si vous venez à la Medinazia ce week-end là, attention le dimanche je pars très tôt. Parce que je rentre le soir et j'ai 7 heures de train. Donc je préfère juste vous prévenir que voilà tu vois ce que je veux dire hein. Hein, ça va pas... Ça... Je vais devoir partir assez vite, quoi. Je pense que vous avez compris. Donc si vous voulez venir me voir, va pas falloir traîner, hein, les gars. Je vous le dis. Hein. Parce que sinon, ça risque d'être la merde. En termes d'orga et tout, ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Qu'est-ce que je voulais faire, du coup? Je sais plus. En fait, je peux pas y aller. Il faut que je refasse des pommes, en fait. Il faut que je retransforme les villageois qui sont en bas, là. Les bébés, il faut que je les détransforme. En vrai, je suis sûr qu'il y a mon protection 4 dans le tas, en bas, là. Je suis sûr qu'il y a mon protection 4 dans le tas. Faut que je les retransforme. Mais pour ça, il me faut des pommes en fait. Il me faut des pommes. La nuit, elle se finit dans combien de temps là? Ok, il y a encore le temps. Il me faut juste des pommes. Mais là, il y a encore le temps. J'ai plus de bouffe d'ailleurs. Aïe. C'est quoi qui me tape? Mais c'est encore toi, petite merde là? J'en peux plus de ces bébés zombies de mort hein, qui me tapent tout le temps là. Eh, mais. En fait, je pense que mon problème, les gars, c'est que. Les trucs ils lootent que quand j'en ai pas besoin, c'est à dire que là j'ai pas besoin de dieu d'araignée, bah évidemment ça loot tu vois. C'est une dinguerie quand même. Bon par contre les creepers ça on en aura toujours besoin hein, quoi qu'il arrive, donc là on va pas lésiner sur les creepers. On va en prendre un, voilà. On va pas... Ça je m'en fous puisque de toute façon je vais mettre mending dessus donc on s'en fout. Parfait. Aïe. Ok nice. En vrai je pense que le dragon on va le faire. Je pense que j'ai pas le droit de l'utiliser. En vrai je pense que le dragon les gars on va vraiment le faire. On va être proche du jour 100 quand on va le faire hein. Entre ça puis après il faut que je me mette full netherite etc. Oh non. Merci pour ces euros de plaisir. Apparemment JD dit que t'es en retard et que c'est à 20h30. Ah bon? C'est à 20h30? Ah bon? On avait pas dit 21h sur le truc? Attends j'arrive. J'arrive, je suis en train de me faire agresser. C'est pas 21h? Oui, non, j'ai vu, merci. J'ai vu, merci. Excusez-moi, monsieur, je suis en train de me faire agresser. Ah bon? J'arrive. J'arrive. Je croyais que c'était 21h. Hein. Merci pour ces euros de plaisir. De quoi? Bah, on a une soirée Mario Party ce soir. Avec JD, DFG et FUKA. Il me semblait que c'était 21h. Hein. Ouais, bah c'est pareil. C'est parce que j'ai trop l'habitude en fait de mettre 21h sur mes trucs. J'arrive dans 2 secondes. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Juste attendez parce que là je me fais un peu agresser. J'arrive dans 2 secondes. Bon, on finira ça plus tard, c'est pas grave. Désolé, hein, c'est le stream un peu à l'arrache vu que demain je pars. Désolé, mais mec, il me loot du stuff par contre. Putain, tu m'étonnes. Le stuff netherite, j'ai pas le droit. Hein. Je vais le. J'arrive. Je savais pas que c'était 21h30, moi. Bon, ça va. Bah, ça fera une petite VOD alors. Ça fera une petite VOD. Merci pour ces euros de plaisir. Merci Solambubule, encore une fois. J'étais pas là au début. Ouais, bah n'hésitez pas à regarder le planning en vrai. Hein. Si jamais tout est écrit dans le planning au niveau de ce qu'on fait sur les lives et des heures. Bon, après, des fois, ça peut changer. Genre, par exemple, aujourd'hui, j'étais hyper en retard. Parce que j'ai dû tout faire pour ce week-end. Mais bon allez vas-y, je vais me barrer tout de suite, c'est pas grave. J'arrive. Merci Linkix. C'est pas grave, de toute façon dans tous les cas j'avais prévu de faire 1h30 donc c'est ok. Ok. Bon bah my bad, excusez-moi. Bon pire je finirai ça après si on finit plus tôt, je sais pas. Hop. Bah du coup ouais du coup je vais stopper là pour Minecraft du coup. Bon c'était une petite session toute petite. On continuera lundi. Je vais stopper ici parce que il faut que je me barre pour... J'ai une soirée très rapide là.
Du coup, on va y aller tout de suite. Et bah, excusez-moi, je pensais que c'était à 21h, donc... Attends,